C'est très frais, c'est le premier titre de ma carrière, moi, en plus, important. Donc ça, c'est vrai que c'était très important, même si c'était une seconde division, c'était en D2. Mais je crois que ce qui reste de cette saison, outre le titre, c'est tout ce qui s'est passé, le côté humain. Voilà. Et puis, j'étais au club déjà depuis quelques temps, et c'est vrai qu'on était passé par d'autres moments, et on a savouré cette montée, et puis ce titre de champion, on l'a vraiment savouré. Je pense que le groupe a été constitué d'une certaine façon pour que ça fonctionne. Hein. Et ça, je pense que Jean Fernandez a fait un énorme travail là-dessus. Jean, à l'époque, je pense qu'il a constitué un groupe énorme. Et en constituant son groupe, il a été chercher les jeunes. Je me souviens que Benoît, où il était le chercher, et je crois que Benoît, à l'époque, il était dans l'équipe 3 à Sochaux. Donc il était le chercher, il a fait jouer les jeunes, il a su créer l'amalgame entre toutes ces générations et puis tous les parcours de ces joueurs. Toujours eu de la bonne humeur, il y a toujours eu la volonté de travailler et il y a jamais eu de mots forts, même entre partenaires. Ça a toujours été un collectif, quoi. Et pas que les 11 qui débutaient, pas que les 14, 16 qui avaient sur la feuille de match, c'était tout le collectif. Et ça a été vraiment très fort, très très fort humainement. Je pense qu'aujourd'hui, on a des liens particuliers, tous ces joueurs-là, même si on ne sait pas au téléphone, on ne s'appelle pas régulièrement, mais à chaque fois qu'on se retrouve, il y a toujours ce plaisir de se voir. Tout le monde s'apprécie. Et ça, c'est dû à ce titre aussi, à tout ce qu'on a pu traverser, en fait. C'est pas que le titre, mais c'est tout ce qu'on a traversé dans cette saison. Toute franchise, la question, on n'a pas eu le temps de se la poser. En tous les cas, moi. C'est vrai que quand on a su qu'il arrivait, déjà René, on en parlait avec René. René nous avait dit, c'est un phénomène. Donc la confiance énorme aussi, parce que on parle de Jean, mais il y avait René qui avait un rôle primordial aussi dans ce staff avec Aziz. Donc, il y avait des choses fortes, quoi. Et René nous parle de ça, et à partir de là, c'était 100% confiance en René, et puis aussi au coach par rapport à tout ce qui s'était déjà passé. On s'est dit que voilà, c'est un monsieur qui connaît le football, et s'il amène un joueur comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'on l'a vite vu, Santos à l'entraînement, c'était extraordinaire ce qu'il était capable de faire, la vitesse d'exécution, l'adresse devant le but, les vitesses de course aussi, parce que ça allait vite. Donc, non, on n'a même pas eu le temps de se poser la question. Qui c'est, d'où il vient, non, pas du tout. Il a mis tout le monde d'accord tout de suite. L'aventure a vraiment commencé, je pense, de cette montée, c'est à l'arrivée de Jean. Quand Jean est arrivé 6 mois avant, on a déjà fini le championnat précédent en trombe, et on termine quatrième, je crois, en étant finissant très fort, et je pense qu'on a continué sur cette dynamique. Jean a su nous donner, nous montrer la voie surtout, et puis à nous formater comme il le voulait, quoi. Avec un esprit de jeu, il voulait qu'on joue, mais je me souviens, interdiction de prendre des risques derrière. Voilà, on allait mettre le danger dans le camp adverse. Mettre, c'était pas balancer le ballon, c'était mettre le danger, monter dans ce camp adverse au plus vite. Et puis derrière, jouer dans le camp adverse et mettre cette pression en permanence. Et il y avait une philosophie de jeu qui nous a convenu, qui était, je pense, en adéquation avec nos qualités collectives et individuelles. Donc à partir de là, on s'est senti bien. Et quand on se sent bien sur un terrain et quand on sent que ce que nous demande l'entraîneur, eh bien, ça porte ses fruits, ben voilà, on continue et on essaie d'intensifier un peu dans ce sens-là. Moi, j'étais peut-être plus sur l'état d'esprit. J'aime les gens, donc voilà, je pense que j'ai essayé de tout donner. En fait, voilà, et c'est vrai que quand il y avait des discussions avec le coach, j'étais toujours là à défendre mes partenaires et à écouter aussi, parce que je pense que c'est important. Il y a des choses qu'on doit aussi accepter en tant que joueur, en tant que groupe. Et je crois que je suis bien arrivé à faire ce lien. Et
En anecdote, moi je sais que quand les joueurs arrivaient au club, ils passaient deux fois à la maison dans l'été, quoi, avec sans leur femme s'ils étaient tout seuls à l'hôtel, et puis après avec leur épouse pour créer quelque chose. Et je pense que ça a pris. Après, y a pas... moi j'ai insufflé quelque chose à un moment donné, mais après tout le monde était dans cet état d'esprit. Et c'est ça aussi, peut-être qu'à un autre endroit, ça n'aurait pas marché. Et... Le stade, c'est un outil indispensable pour une équipe pour arriver à un certain niveau, pour moi. Et la chance qu'on a eue, c'est que, quoi que j'ai eu en tous les cas, il y en a d'autres qui l'ont eu comme moi, mais c'est d'avoir connu un peu toutes les étapes à Sochaux, donc, c'est-à-dire ce vieux stade, qui était une pelouse magnifique. On voyait que les gens aimaient le club, quoi, étaient dans ce stade, il était déjà plein, mais bon, c'était très vétuste. Et puis la construction, c'était un moment compliqué, parce que bon, le public n'étant pas toujours ici, parce qu'il y avait des travaux. Pourquoi le stade ne pouvait pas être comble. Les saisons sportives aussi étaient comme plus compliquées, quoi. Je pense qu'on était peut-être moins armés. Et puis tout est arrivé en même temps, en fait. Ce stade, l'équipe. Et c'est vrai que quand on a pris la possession dans ce stade et on a commencé à avoir des résultats avec les gens qui nous ont énormément poussés, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, on était poussés. On parle de 13e homme, mais je pense qu'il était... 13e, 12e plutôt, excusez-moi. 12e homme, il était présent. Il était présent tous les week-ends dans Bonal. Et c'est vrai que, tu en parlais tout à l'heure, mais toutes les rencontres à domicile, on se sentait mais invincible. C'était une année exceptionnelle à domicile avec le partage, la communion avec le public en fin de match quasiment tout le temps. Je me souviens, les enfants étaient avec nous sur la pelouse. Bon, il se passait tellement de choses et on se sentait tellement aimé en fait. Et je pense qu'on était heureux de faire donner du plaisir aussi aux gens. Voilà. Je crois qu'il y avait un échange énorme entre joueurs, supporters et puis après, on va dire tout le club, parce qu'on parle de président, on parle d'entraîneur, on parle de joueurs, mais je pense que toutes les personnes du club, que ce soit de l'intendance, que ce soit dans les bureaux, que ce soit, on va dire, de partout, toutes les entités du club étaient derrière nous. Et ça, par contre, il faut le souligner, je pense que c'est Jean-Claude Plessis, merci président, merci Jean-Claude, qui a créé ça. Il a créé ça, il a su emmener tout le monde derrière l'équipe. On l'a senti et on a envie de redonner encore en plus aux gens, quoi. Ça, c'est... J'en ai des frissons quand tu m'en parles. La montre, elle sera au poignet, je pense, de nous tous, jusqu'à notre mort. Il est là, hein, le fauteuil. Voilà, il est là. Il est là. Ah, celui-là, ben, j'en ai qu'un, c'est Sochaux. Hein. Voilà, j'ai connu d'autres clubs, mais Sochaux restera le club qui m'aura fait grandir. Mais je pense que cette époque-là aussi, avec ce maillot-ci, là, quand on a été encore plus loin, on a été chercher la qualification Coupe d'Europe... Il s'est passé plein de choses quoi, aussi avec celui-ci. Donc bon, il fallait que je fasse un choix. Je ne pouvais pas faire, sinon je n'ai pas assez de place dans la maison pour mettre tous les fauteuils. Donc j'ai pris celui-là, voilà, excusez-moi.